In het Brussels Filmmuseum vinden er dagelijks vertoningen van stille film plaats. De muzikale begeleiding wordt er verzorgd door een pianist. Een van die nostalgici is Stefan Orlando. La musique était vraiment nécessaire pour apporter une temporalité de récit, c'est-à-dire dire il était une fois. Ça permet au public d'être concentré collectivement sur le film. Mais aussi en même temps un rapport collectif où par exemple tel acteur marche sur une peau de banane et tombe, bien grâce à un effet musical, on explique à tout le monde, c'est le moment de rire. Improvisatie is voor de pianist het sleutelwoord. De muzikant ziet samen met het publiek de film voor het eerst en besluit ter plekke welke muziek deze film naar zijn gevoel nodig heeft. Notre cerveau a une faculté d'association. Qui fait que si le film accélère son rythme et que la musique accélère de manière parallèle, on va faire une association entre la musique et le film. Et donc on va pouvoir trouver un parallélisme. La tension musicale, bien ça fait partie d'un code dont on profite depuis le ventre de notre mère où on entend siffloter des chansons apaisantes. Et donc on a une idée assez précise de ce que représente la tension musicale. Et donc, quand on trouve un parallèle dans la relation rythmique et dans la tension, on a une fonction d'amplification des émotions.